suis plutôt alarmé. Ça fait 2 ans maintenant qu'on nous dit qu'il faut passer au cran supérieur. Et maintenant, l'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-belligérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Je n'ai pas la France du tout a 280 ogives nucléaires, la Russie aux alentours de 6000 selon ce qu'elle déclare. Derrière, il y a les États-Unis avec à peu près autant d'ogives nucléaires. Et moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement, très clairement. Je ne veux pas aller au front, je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu, oui, à mettre en place davantage notre corps diplomatique en action. Mais oui, mais il faut le dire. Dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il faudra discuter. Et moi, je ne veux pas discuter avec le plus jamais ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, lorsque potentiellement on aura des troupes françaises sur le front, que potentiellement on aura des mobilisations générales, que potentiellement il y aura le risque nucléaire qui aura atteint des étapes qu'on n'aura jamais atteintes par le passé. Et donc le plus jamais ça doit se poser dès maintenant.